Et bienvenue à vous. Et nous sommes à proximité du magasin de Frankie, donc pas loin de Good Springs. Alors je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait. J'ai donc fait l'aller jusqu'à Good Springs. Je me suis renseigné pour les kits de réparation. Hop là. Donc ce sont en fait des kits de réparation d'armes qui réparent l'arme qu'on a équipée actuellement. Donc quand j'avais utilisé dans le dernier épisode mon kit de réparation, ça m'a pas servi à grand chose parce que j'avais équipé le pistolet plasma qui était déjà dans un état, complet. Il était full, je crois bien. Voilà. Et je me suis rendu compte également en me renseignant que ces kits de réparation pouvaient être craftés. Voilà, il faut donc un skill de 50 en répa, ce que j'ai. Et quelques petits ingrédients de craft, donc ruban adhésif, pièces électroniques, pièces de métal, de la colle et des clés anglaises. Voilà, donc je vais essayer de rester vigilant lorsque je rencontre ces trucs-là, et bien pour bien les prendre. Voilà. Du coup, je me suis aussi souvenu de ce que vous m'aviez dit, que ça pouvait aussi s'acheter. Donc j'ai fait un petit peu le tour sur le chemin prime, etc. Et j'ai pu en acheter 3-4 des kits de réparation. J'ai donc réparé mon nouveau rifle laser, celui-là. Voilà. Et j'ai pu également acheter des munitions. Et j'ai réparé également, grâce à ces kits, le rechargeur pistolet. Oh, j'ai pas pu le réparer complètement, mais ça m'intéresse fortement de l'avoir dans un état acceptable. Vu que quand même, celui-là, je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin de munitions. Il se recharge tout seul. Donc c'est vraiment important, je pense, de l'avoir toujours dans un état pas trop dégueulasse. Voilà. J'ai été également me renseigner sur les ingrédients nécessaires pour crafter les trousses de médecin. Voilà, voilà. Donc j'ai pu m'en crafter une ou deux avec ce que j'ai pu glaner chez le docteur Mitchell. Et j'en ai acheté également. Donc j'en ai. J'en ai quelques-unes. Voilà, j'en ai quatre. Ça peut m'être vraiment utile. Et en même temps, je me suis soigné. Voilà, j'ai pas fait grand chose d'autre. À vrai dire, rien. Et comme je suis dans le coin et que je suis pas trop mal équipé, je me suis dit tiens. J'ai un goût amer dans la bouche. Ouais. Un goût amer, les mecs. Si je retournais voir Firetooth. Eh ouais. Bah ouais, je suis resté sur un fail avec Firetooth. Alors, niveau de déshydratation augmenté, ça tombe très bien. Je suis près de la source d'eau. Tac. On va aller boire un coup. C'est free. Allez, hop. Très bien. Alors Firetooth, c'est dans les coins là. Ça va être un peu plus par là. Donc du coup, on va aller voir s'il n'y a pas moyen de prendre ma revanche. Eh ouais. Parce qu'on s'est fait sacrément avoir hein, quand même. On s'est fait sacrément avoir. Alors, en fait, c'est carrément plus loin, si je me souviens bien. Je vais regarder la map. Ça sera pas plus bête. Ok. Ça, c'est peut-être carrément plus par là. Ouais, c'est carrément plus par là. Allez. Tac. Donc voilà, donc en fait j'ai été glaner toutes ces infos sur le wiki hein, tout simplement. C'était la manière la plus rapide. Donc je me suis noté tout ça. Donc je vais pouvoir faire gaffe. Voilà. Pouvoir crafter au fur et à mesure quand je peux trouver les ingrédients. Tous ces trucs qui coûtent quand même. Alors les kits de réparation, ça coûte pas énorme. Mais les magasins se réapprovisionnent pas si vite que ça. Donc du coup, si je peux me permettre de faire ça moi-même, hein. Puis en plus, ça me rajoute de l'XP. Quand je craft ces machins-là. Voilà, voilà. Il y a un mec là-bas. Ah. Hop. Non, plutôt par là. Tac. Sans la tête, c'est plus cool. Allez, j'essaye de te planter la tête, toi. Allez, hop. Des têtes en veux-tu, en voilà. Je devrais me faire un petit collier en tête de gecko. J'ai aussi réduit un tout petit peu le poids dans mon inventaire.
Ça me dit rien, ça. Ah. Si c'est... Ah tiens, le gang des jackals. Ah là là. Hop, ils m'ont repéré. Alors. Spécialiste des jackals. Ok. Hop. Est-ce que ça serait pas le moment d'essayer mon nouveau laser? Hein? Eh. On va se faire plaisir. Hop. Donc du coup, eh ben, je vais l'équiper directement comme ça. Ouais. Vérifier qu'il est bien équipé. Ouais, ça c'est cool. Ok. Allez, viens voir. Viens voir tonton, toi, voir ce que ça donne. Oh. Ouais. Ah, toi. Toi, t'es un peu plus récalcitrant déjà. Ouais, je vais essayer de te tuer la tête directement. Oh. Eh oui. Alors par contre là je vais pas avoir assez. Ok. Ça c'est réglé. Ça c'est réglé. Ah ben c'est sympa comme tout ça. Hein. C'est sympa comme tout. Par contre je pense que les munitions vont partir assez rapidement. Ouais. Assez rapidement. Ouais, on verra bien de toute façon. On verra bien. Ok. Je vais peut-être boire un petit coup de Nuka Cola. Du coup. Hop. Ok. Alors. Qu'est-ce que t'as à me proposer? Ouais, des capsules. Tech Raider Flyer. Ok. Alors un ajout de message, on va aller regarder ça. Un message tout en anglais, ça va être sympa. Alors. Alors, gang du Moyave, il est temps de s'unir. En avez-vous marre? Gna gna gna. De la nourriture irradiée, des armures pourries, des armes qui tirent mal. Ok, venez rejoindre notre géniale organisation et vous recevrez. Ah bah alors quoi? Oui. Tac 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 tac. Alors, des armes à feu avancées et un entraînement complet, les meilleures armures du Wasteland, un accès... a pas mal de nourriture d'avant-guerre, hein, on va le dire comme ça. Ok. La possibilité de faire partie d'une organisation les plus puissantes du monde. Ok. Gna. D'accord. Donc notre poste de recrutement le plus proche est au poste de radio perdu de Wolf, je crois que c'est ça, nos représentants nous diront comment nous trouver. Ok. En gros, je l'ai traduit le truc. Ouais, je vous entends vous marrer. Eh ben, je vous emmerde, hein. Alors, du fixeur. Suppression de dépendance temporaire. Ça m'intéresse. Caravane shotgun 200, ça m'intéresse. Cuir renforcé. Non. Ça m'intéresse pas spécialement. Valeur 303. Ah bah, on verra bien. Allez. Hop. Alors, il n'y en avait pas d'autres. Apparemment non. Avec mon gros sac à dos. Mon gros sac à dos tout plein de bordel. Hop.
Ah bah c'est ça, Radio Lone Wolf. Ok. Très bien, très bien. Ah bah y a peut-être des petits trucs à looter ici. Puis la fission, j'en ai pas besoin. Alors. Ah bah pièce électronique. Voilà, je prends. Ça peut me servir. Pièce électronique, tout pareil. Guide de survie des terres dévastées. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un livre de compétences? Tech. Survie augmentation de 3. Eh ben ça, c'est toujours ça de prix, hein. C'est toujours ça de prix. Vestiaire. Alors, des capsules. Je prends bien sûr. Boîte en métal. De la ferraille. De la ferraille, eh ben j'en ai besoin aussi. Ah non, c'était du métal que j'avais besoin, pas de la ferraille. Bon, tant pis. Ok, il n'y a rien d'autre. Non. Ah, des capsules. Ah, capsules étoilées. Très bien. Capsule. Ok. Module de capteur, j'en ai pas besoin. Ok. Ouais. Ok. Bon. Pas grand-chose d'autre à y faire. Ok. Bon. Eh bien, ça, c'est fait, du coup. Ça, c'est fait. Alors, Firetooth, tu dois pas être loin maintenant. Le Mojave. Vraiment, moi, un style graphique qui me plaît. C'est un style graphique qui avait été relativement décrié, hein, à la sortie du jeu. Et que moi je trouve vraiment plutôt sympa. Alors c'est vrai qu'il y a les modes par-dessus. Hop là! T'as voulu me la faire à l'envers, toi. Ouais, moi je trouve. C'est vrai, oui, il y a les modes graphiques. C'est vrai qu'en vanilla c'est quand même bien moins joli. Mais moi je trouve ça sympa. Je trouve ça vraiment sympa. Bon, vraiment c'est une histoire de goût, hein. Allez, on y est! Alors, on va essayer de pas se faire cramer. Ça serait pas mal. C'est parti. Bon, j'en avais tué pas mal. J'espère que ça va pas repop. Ah, ça va peut-être repop. Ah ouais, ça a repop. Donc soyons clairs. Ok. C'est très bien, ça va me refaire de l'XP. Et l'XP, bah, dans ma version du jeu, c'est pas de refus, vu qu'elle augmente quand même bien moins vite. L'impression de le toucher là. Ok. Alors les ennemis ripop mais pas le loot, hein, ça c'est sûr. Alors j'avais commencé, je pense, à m'enfoncer sur la gauche, voir ce qu'il y avait. Bah, je vais faire ça. On verra bien. Je vais faire quelques petites sauvegardes rapides. Hein. Ça mange pas de pain et c'est pas de refus. Alors c'est là où il y en avait plein, si je me trompe pas. Un cul-de-sac. Des petits champipis. Ok, j'en vois un là-bas.
J'en vois même plus. Ah non! C'est pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Ouais, ça c'est pas mal. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais directement résistance aux dégâts plus 25. Je vais pas hésiter à le prendre, je crois. Surtout que ça dure un petit moment. Je vais pas hésiter à le prendre. Dégâts plus 25%, bien sûr. Et un petit steam pack. Voilà. Ok. Ok. Petit démembrage qui va bien. Tac, profitez pour recharger. Bon. Ouais, du coup, je vais continuer par là. Alors, je sais que c'est bien par... C'est pas par là hein, que se trouve Firetooth. Ah, mais non, mais j'avais déjà été là. Ouais. Bon, c'est pas grave, ça fait de l'XP. Par contre, c'est en m'enfonçant un peu plus loin. Je crois que j'étais mort. Firetooth se trouve dans la salle centrale. Hein. C'était tout droit quand je suis rentré. Mais bon, j'ai décidé d'aller par là. Allez. Pourquoi 0%? Haha! Hop là. Oh là là! Ah, j'avais pas vu. Alors décidément ici, ils sont coriaces. Hein. Ils sont coriaces, ça y a rien à faire. Est-ce que mes... Hop là. Allez. Ah ouais. Oh, putain, je vais crever. Eh, hey, je suis mort. Putain. Ah. Ah, ils sont forts, eux. Eux, ils sont super forts. Bon, retour là. Allez, je vais le retenter, hein. Ah, je le retente. J'ai rien à perdre en le retentant. Voilà. On s'est pas bien compris là par contre. Ouais, là. Bon, au moins. Non, plutôt le torse. Allez. Ouais, double choc, ça c'est cool. Ok. Là aussi, si je me trompe pas, j'y avais déjà été. Il va donc falloir que je continue par là. Et c'est là, mes bons amis, que les choses se compliquent pour moi. Là, il y en a pas mal, hein. Je sais qu'il y en a pas mal. J'ai plus de mine, donc je peux même pas me dire. Je vais essayer de miner le truc. Rap, j'ai pas du tout d'angle de vue, donc du coup je peux. Rap, je me rappelle.
Ok. Oh merde. Allez. Ok, ça c'est pas mal. Alors, c'est là que ça va se compliquer, les gars. Alors, ce que je vais faire avant tout. Donc, le Steam Pack, pour l'instant, j'en ai pas encore besoin. Le Psycho, oui. Il n'y avait pas d'autres trucs que je voulais. Je sais plus. Résistance aux dégâts plus 25, je prends. Ah, le jet, hein, c'est vrai. Oui, une petite dépendance, mais. Ça vaut peut-être bien le coup. Ça vaut peut-être bien le coup. Ok. Voilà. Ok. Alors. Ok, donc lui déjà, c'est réglé. À toi, mon copain. Ouais. Non, pour la console, je voulais ça, moi. On va prendre, tac, tout de suite un petit Steam Pack, histoire de compenser le truc. Ok, ça c'est bon. Allez, à toi. 95%. On va faire le torse. Et voilà. Bon. Wow. Ok. Ce coup-ci, ça l'a fait, les mecs. Ce coup-ci, ça l'a fait. J'entends encore des petits bruits de gecko, hein, donc ça va pas être complètement terminé, bien sûr. Ouais, petit à petit, hein, hop là. Allez, ouais, ça c'est bon. Et je level up assez rapidement vers le niveau 9, là, hein, sur ce coup-là. C'est pas une mauvaise nouvelle. Wastelander, des capsules, casquette à lunettes. Casquette à lunettes? Je suppose que c'est ça, on va bien voir. Poids 2, mais ça peut se revendre, ça c'est pas mal. Du coup, je peux vendre le backpack assez facilement. Et un mercenaire, des capsules, des lunettes en écaille. Ah, on va voir ça. Allez, hop. Chapeau de cow-boy en rotin. Ok. Alors, voyons voir ça quand même là de suite. Hop. Les vêtements. Cassette à lunettes. Ouais. Et. Tac, 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 tac. Lunettes en écaille. Ah oui. Ah, c'est toujours pareil. C'est que, hein? C'est les cassures en temps réel quand même, hein. Mouais, 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 mouais. Impression de travailler pour Carglass. Ok. Bon, eh ben nous continuerons l'exploration de cette grotte, même la ré-exploration de cette grotte, même si j'étais pas arrivé jusque-là la première fois, dans le prochain épisode. Eh ben salut les amis, et bisous, bisous, bisous.